Bonjour. Qui êtes-vous, mademoiselle? Non, j'ai pas envie de rire. Quittez ma robe de chambre et expliquez-moi ce que vous faites chez moi. Ah, impossible. Dessous, je suis toute nue. Hein? J'étais prise par l'averse. Alors j'ai retiré mon tailleur pour le faire sécher. Bon, très bien. Puisque vous ne voulez pas sortir de chez moi de votre plein gré. C'est très simple. Allô? Allô, le commissariat des bons enfants? Mais comment? Vous ne me reconnaissez pas? Attendez une seconde. Françoise Leclerc. Quoi? La fille de la cousine de votre oncle. Tenez. La petite Simone, tante Gertrude et l'oncle André. L'oncle André? Il est mort. Comment il est mort, oui, l'oncle? Oui. Mais alors, vous êtes la petite Françoise? Oui, mais j'ai grandi. Oh. Non, 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 monsieur le commissaire, non, c'est pas, non, c'est une erreur. C'est pas une erreur, c'est une petite cousine. Il y a du jambon, du yaourt, de la salade et une boîte de cassoulet, ça va? T'as un vrai petit dîner d'amoureux. Le cassoulet. Alors, il n'y a plus qu'à aller au restaurant. J'en connais un. Très bien. Oh, oui, très, très, très bien. Et où ça? Attendez, comment il s'appelle? Je ne sais plus très bien. La tour d'argent. C'est pas bien? Ah, si, si. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre mon carnet de chèque. Une toute petite seconde. Chut, vous me rappelez tante Henriette. N'auriez pas un petit peu de monnaie pour le pourboire? Si, dans mon secrétaire. Vous ne l'avez pas laissé au vestiaire? Mais c'est très important. Je cache mon argent là-dedans, alors vous pensez si j'y fais attention? Ah. Vous comptez partir aux États-Unis avec ça? Oui. Mon avion décolle après-demain, tenez, regardez. Mais enfin, vous savez ce que ça représente, ça, à New York? Une chambre d'hôtel et 206. Ah, vous en êtes conscient tout de même. Mais j'ai de quoi me débrouiller le premier jour. Mais après? Après, ben, je verrai. Ah, vous avez des amis là-bas? Pas encore. Non? Eh ben, vous ne manquez pas d'un certain toupet. Ah, 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 vous avez ça, Maï? Ben, une journée dans le train, c'est fatigant. Eh ben, attendez, je vais vous emmener. J'ai un ami qui a un hôtel derrière Notre-Dame et vous verrez. Oh non, j'ai pas du tout envie d'aller me coucher. Mais dites-moi. Quand on est 48 heures à Paris, on a autre chose à faire qu'à dormir. Mais quoi donc? Paris by night. Vous allez tout me faire visiter. Je trouve ça formidable. Eh ben, demain soir, on prendra le métro vers 6 heures. Parce qu'on est beaucoup plus serré, c'est beaucoup moins chaud. Oh, vous vous moquez de moi. Mais non. Vous connaissez Limoges? Oui, vraiment. Là-bas, les gens travaillent, mangent et se couchent. Ils font ça toute leur vie. Comme partout ailleurs. Oui, mais là-bas, il n'y a rien d'autre à faire. Oh, c'est pour ça que je me suis juré de ne vivre que dans une grande ville. Je fais n'importe quoi pour ça. Ah oui? Même la vaisselle dans un drugstore? Vous croyez pas qu'avec un peu de tête, on pourrait aller faire beaucoup mieux? Pensez pas qu'il est l'heure de rentrer maintenant? Oh, pas déjà, je vous en prie. Écoutez, Saint-Germain-des-Prés, les Champs-Élysées, Montparnasse, vous avez tout vu? Et Pigalle. Ah, Pigalle, alors, Pigalle. Mais une heure, hein? Oh. Écoutez, pour ne rien vous cacher, je sors de 3 semaines de clinique, alors je suis un peu... dans un accident du travail. Ouais. Et puis demain matin, moi, je vais au bureau. Comme à Limoges. La vache. Marchand, ça ira mieux. Marchand, ça marche. Ça ira mieux. Ouh. Il vient de prendre un peu l'air. Hein. Voilà. S'asseoir un petit peu. Bah pour un Parisien, vous tenez plutôt mal le coup. La clinique, ils m'ont donné que de l'Evian depuis 3 semaines, alors. Bah vous faire comme moi. Faut boire du jus de fruits. Aidez-moi, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il va me tuer. Je vous jure qu'il va me tuer. Mais qui? Qu'est-ce qu'elle a? C'est lui. Bielowski. Il s'appelle Bielowski. Quoi?
sera lui. Vous avez quelque chose pour écrire? Oui. Vite. Allez, viens. On a perdu assez de temps. Allez, viens. Écoutez, j'ai pas l'habitude de mêler des scènes de ménage, mais là, alors là... Excellent. Dis donc, le patron t'a demandé ce matin. Oui, à quel sujet? Ben, il avait une affaire délicate à te confier. Naturellement, quand il y a des emmerdements, c'est toujours pour moi. T'inquiète pas, c'est arrangé. Comment ça, arrangé? Ben, comme t'étais pas arrivé ce matin à 11h, le patron a cru que t'étais fatigué. Alors, il a confié l'affaire à Renard. À Renard? Au petit Renard? Mais il est en progrès, il monte. Ah oui? Eh ben ça tombe très bien parce que justement ce matin j'ai pas envie de travailler. Ah bon? Et passe-moi le journal. Eh ben oui, lequel? Mais tous! Et ferme cette fenêtre, on craque de froid ici! Oui, une demoiselle Françoise Leclerc. Eh ben, regardez si la clé est au tableau. Ah. Bon, je rappellerai. Vous savez pas que t'avais une sœur? Non, c'est une vague cousine. Cousine... Oh non, je t'en prie, tu m'empêches de réfléchir. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu cherches l'inspiration? Tu écris des vers? Oui, c'est un peu ça. Mais on peut t'aider? Je cherche un nom, un trois syllabes qui finit par ski. Trouver 5 noms, ben moi 3. Il y en a certainement davantage. Mais c'est possible, mais pour les trouver, tu parles d'un boulot. Un classement qui commence par la dernière syllabe, ça n'existe pas. C'est vraiment important? Oui. Allô? Ah, Françoise, j'essaie de vous avoir depuis ce matin. Maintenant c'est tout à fait. Oui, enfin, ça pourrait aller mieux. Une seule question. Est-ce que vous vous souvenez du nom du gars d'hier soir? Mais enfin, écoutez, je suis pas fou, vous l'avez noté sur un morceau de papier, non? Oui, 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 bien sûr, je vais aller voir. Supplie, essayez de vous souvenir, ça se termine en ski. Non. Comment? Pour dîner, oui, d'accord, je veux bien. Entendu, alors écoutez, dormez un peu et je passe vous prendre vers 9h. Bien. Mais comment? Mais vous êtes folle. C'est moi qui vous invite. Allô? Allô, François? Comment elle est, ta petite cousine? Elle est complètement piquée, elle n'a pas 100 balles en poche, elle veut m'inviter chez Maxime. Françoise? 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 Thank you.
Résumons-nous. Vous êtes cousin. Hmm? Oui. Votre cousine arrive hier à Paris et se rend directement chez vous. Oui. Elle passe la soirée et une partie de la nuit avec vous. Oui. Elle descend dans un hôtel indiqué par vous. Oui. Et à Paris, elle ne connaissait que vous. Oui. C'est embêtant. Oh non, hein, vous n'allez pas me faire le numéro à moi. Mais mon cher collègue... Écoutez, Renard, c'est pas le moment de me casser les pieds. Si quelqu'un doit résoudre cette histoire, c'est moi. Je suis l'André Leclerc, mais c'est moi qu'on a chargé de l'enquête. Et alors? Vous êtes mon seul témoin. Faut bien que je vous interroge. Ah, vous le prenez comme ça? C'est très bien. Je répondrai à toutes vos questions. Mais seulement en présence de mon avocat. Oh, les mains. Bonjour, Lucie. Comment va Françoise? Ah, mal. Elle est encore dans le coma. Elle n'a pas pu parler? Non. Heureusement pour nous que le juge vous connaît. Pourquoi? J'ai lu dans le dossier les conclusions déposées par Renard. Oui. Si j'étais juge et non votre avocat, je vous inculpais. Oh, c'est absurde. Votre affaire est mauvaise. Mais enfin, le juge et Renard ne connaissent pas la moitié des éléments qu'il faut connaître dans cette histoire, voyons. Vous n'avez qu'à le leur dire. Non, c'est impossible, ça ferait échouer l'enquête. Alors moi, dans ces conditions, je ne vois pas comment je peux continuer à vous défendre. Enfin, Lucie, vous ne pensez tout de même pas que je suis coupable. Pour moi, votre cousine a été victime de rats d'hôtel. Tiens. Hmm? Confirmé par les faits. Hein? On n'a retrouvé dans ses affaires ni papier, ni argent, rien. Et naturellement, elle passe son temps à tout ranger dans son... Lucie, vous êtes un amour. Faites-vous très belle dimanche, je vous emmène à la campagne. Ah, affaire Leclerc, voilà. Merci. Il a combien d'adjoints, l'inspecteur Renard? Bon, vous en avez plusieurs, vous savez ça? Oui, ah, j'en connais déjà deux. Avec vous, ça fait trois. Eh oui, c'est ça, oui. Oui, ça fait beaucoup. Oh, ben, faut ce qu'il faut, hein. Merci. Attendez, attendez. Votre nom, c'est comment? Ben, comptez sur moi, je vous dirai. C'est... Il lui dira quoi? Donc, si Renard apprend ça, c'est un coup, me permettras-tu? Mais t'inquiète donc pas. Le vieux est myope comme une taupe, il t'a certainement pas reconnu. Ça. Tu vois, il y en a un, il y en a deux. Yes. Eh ben, il y a $1000. Eh ben, tu vois qu'il pouvait t'inviter chez Maxime, c'est... Alors, il y a tout dans ce béret. J'ai même trouvé la rime que tu cherchais. Bielowski. Mais alors, elle l'avait le nom. Elle avait besoin d'argent et elle a fait chanter ce Bielowski, tu te rends compte, du culot de cette gamine? Non, malheureusement, le jeu était trop dangereux. Elle s'y est brûlée. Adieu les États-Unis. Bon, alors, écoute, relève-moi tous les Bielowski de Paris, il ne doit pas y en avoir tellement, hein? Monsieur Bielowski, mais il est mort. Quand ça? Vers 1927-28. Je l'ai jamais connu. Monsieur Bielowski, au bout de mon... C'est pour un demi? Je suis désolé, monsieur Bielowski, c'est une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une erreur? C'est la deuxième fois qu'on me dérange pour rien. La deuxième fois? Hier, c'est une jeune fille qui est venue me demander. Blonde, avec un béret de dinde? Je n'en sais rien. Un béret de dinde vert, oui, j'ai remarqué. Monsieur Bielowski, s'il vous plaît. C'est pour un costume? Un costume de deuil. Je vais prendre vos mesures. Fournisseur qui m'a donné votre adresse. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'était. C'est pour un métier.
Non, mais ça rapporte. De toute façon, je ne suis pas acheteur. Alors, Bilowski, ne perdons pas de temps, c'est 20 millions. Expliquez-vous. Vous êtes un naïf. Je vous ai tendu un piège et vous êtes tombé dedans les yeux fermés. Je ne comprends pas. Avant-hier, rue Fontaine, ça vous dit rien? Et hier, vous n'avez pas reçu la visite d'une petite blonde avec un béret de daim? C'est moi qui vous l'ai envoyé. Et vous avez fait exactement ce que j'attendais de vous. C'est-à-dire? Une bêtise. Contre notre silence, vous lui avez remis ça. Et vous lui avez promis le reste pour le soir. Vous avez tenu parole, vous êtes venu. Mais avec un couteau. C'est faux. Bilowski, alors, j'étais là, avec un appareil. Et j'ai les photos. C'est pour ça que c'est 20 millions. Scotch? Bah oui, je vais défendre. Tiens, ça va te faire du mal. Merci. Et il t'a cru? Bravo. Et on doit faire ce soir l'échange à 11h. L'échange de photos que tu n'as jamais prise contre une somme d'argent que Bielowski ne possède probablement pas. Exactement. Ça va foirer. Non, ça ne va pas foirer. Merci. Si je lui avais demandé une petite somme d'argent, il aurait probablement marché pour payer. Et après, il se serait aperçu que c'était du bluff. C'était raté. Tandis que là, il n'a pas le choix. Ouais. Oh, ça me paraît logique. Il doit te descendre. Voilà. À moins qu'il choisisse de s'enfuir au bout du monde. Non, il restera. Parce que sa boutique doit servir de couverture à une sale combine quelconque. Il y a beaucoup trop de jolies filles là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il a tué la blonde, parce qu'elle en savait trop et qu'elle n'a pas pu garder sa langue. Alors entre faire sa valise et me préparer mon cercueil, il n'hésitera pas. Ouais. Tu dis ça froidement, toi. Ben. On va te tirer dessus, puis tu t'en fiches. Mais mon vieux, j'ai vu le chirurgien. Françoise vient de sortir du coma, mais elle en a encore pour 3-4 jours. Ce qui fait qu'actuellement, on ne peut absolument pas compter sur son témoignage. Écoute, avant de t'offrir comme cible à Bielowski, réfléchis. Il doit quand même y avoir une autre solution. J'ai bien fait le tour du problème. C'est la seule façon de le coincer. Chin. Dis donc. Allez. Photos? Oui. On peut voir. L'argent d'abord.
C'est juste. Miami Beach. Ben, il se baigne. Cher cousin, ma cicatrice ne m'empêche pas de me mettre en maillot, entre parenthèses, une pièce. J'ai trouvé un mari sur mesure, il est ailleurs. Merci pour tout, à toujours. PS, Morton et moi t'embrassons. Ta petite Françoise Leclerc W. Kirchner Junior.